Quel dirigeant pour la communauté chypriote turque? Le sortant, Dervis Erolou, favorable à la réunification de l'île de Chypre, serait talonné de près par la présidente de l'Assemblée sortante, Sibel Sibér. Mais au total, 7 candidats sont en lice pour cette élection dite présidentielle, auquel doivent participer les 176 000 électeurs inscrits sur les listes de ce petit bout de territoire qui représente un tiers de l'île de Chypre. Les premiers résultats sont attendus dans la soirée. La tâche essentielle du futur dirigeant sera de reprendre les négociations de paix après 40 ans de partition. C'est important pour l'avenir des Chypriotes turcs, dit cet homme. Nous élisons le dirigeant qui ira négocier. C'est important parce qu'il ou elle défendra nos droits à cette table. La République turque de Chypre Nord n'est pas reconnue par la communauté internationale et vit uniquement grâce à l'aide financière de la Turquie et à la présence de plusieurs milliers de soldats. Bien que la campagne électorale ait été calme comparée aux précédentes, explique notre correspondant Bora Bayraktar, il y a une véritable compétition pour le leadership de la communauté chypriote turque. Ces élections sont tout spécialement importantes pour remettre à l'ordre du jour les négociations.